Carmen Sama a effectué récemment un séjour au Nigeria. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la veuve de DJ Arafat dit avoir retrouvé son nouvel amoureux. Nous vous disons tout après le générique. Carmen Sama a retrouvé un nouvel amour au Nigeria. Ah, je l'aime et Dieu, a-t-elle écrit. Carmen Sama vit depuis 4 ans la solitude sentimentale après le brusque décès de DJ Arafat. La maman de Rafna recherche résolument un homme pour la combler de bonheur. Il y a environ un an, les internautes avaient prêté une relation entre Carmen Sama et Sidiki Diabaté. Mais c'était seulement pour les besoins du clip de la chanson Diarabi Nene Bena du prince de la Koura malienne. Passé cette polémique qui alimente les réseaux sociaux, Carmen Sama vient de trouver sûrement l'homme qui va faire son bonheur et qui pourra lui donner à nouveau la joie de la maternité. Et c'est au Nigeria que son nouvel amoureux a été localisé. Si l'on s'en tient aux déclarations de la veuve de DJ Arafat, qui était justement dans le pays pour un séjour. En effet, elle a partagé des instants magnifiques passés au Nigeria avec des photos sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment précis où elle était en train de prendre de l'air qu'elle a rencontré le chanteur nigérien Asake. Elle dit avoir ressenti automatiquement une attirance. J'ai ressenti un truc, ça, si c'est pas de l'amour, ce que je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, le seul problème c'est l'anglais, mais pour lui, je vais apprendre parce qu'il faut qu'on se parle. En même temps, on n'est pas obligé de se parler, on peut aussi se regarder et on va s'aimer. Ah Dieu, je l'aime, et Dieu. I love you Asake, dit-elle. Carmen Sama fera-t-elle tout pour conquérir le cœur du chanteur nigérien Asake? Laissez vos réponses en commentaire.